comment toutes ces personnes peuvent laisser leur vie professionnelle, leur statut, et puis venir travailler. Ça, ça m'a touché. Donc, je veux que les deux conseils, plus moi-même, même si je suis dans le cas, ma âme, je n'ai pas le droit, j'ai le problème de parler. Concernant le dernier du but, chaque année, en plus, vous ne répondez pas. Après, vous venez pour négocier, on vous fait des faveurs. Mais si un jour vous levez, on dit, il n'y a plus de faveur, il n'y a plus de faveur. Vous avez la chance de partir sur nos paroisses pour le faire. Moi, je m'en mords du tout. Mais quand vous faites, ça vous n'attrape, tiens. Il y a des carrés de baptême qui ont été signés où il n'y a même pas un cachet de corps. Et puis, on vient, on saute sur la parole dans le boulot du curé, où c'est le père, son bon, on le respecte mal, mon père l'a élevé pour une vieille fidèle. Mais il est de qui? Où est le carré? Tout est sans pédro, sans pédro, sans pédro, sans pédro. Mais il y a sans pédro. Allez, c'est sans pédro, on le connaît. Pourquoi on venait ici? C'est là-bas, on le connaît. Donc, ça, c'est un péché pour nous. C'est pour cela que même si nous avons un village, là où on vivait, vous devez payer au moins. Si c'est sur 5 ans, une fois, pour dire que vous êtes présent, mais j'ai aussi mon village qui est là. Ça, ça peut se faire, on comprend. Même sur 10 ans, s'il y a un seul cachet de 5 ans, on sait que je vais là, de 5 ans. Mais rien du tout, et puis de nous casser la tête pour faire forcément les choses. Maintenant, je ne fais plus. Un carré que j'ai vu, un bouffin, n'a pas signé 17 ans. Donc les parents sont venus nous voir et disent, c'est pas grave. Du moment où les baptisés et que je connais la famille, je vais faire pour vous. Le lendemain, les parents ont dit, allez, voilà, va falloir parler signer. Et ils deviennent, je prends pour les signer. Mais ça, c'est quoi ça? Allez-y à toi pour faire les familles. Ils sont partis. Ils n'ont pas non pas une semaine après encore, même chose à produire. Chaque partie, c'est depuis 1970. Mais j'ai pardonné pour faire les obsèques ici à Port-Bleu. Le lendemain, on vient encore le calé pour destiner à la croix. Ah ah, vous savez où on fait funérailles maintenant. Allez-y là-bas, nous n'avons pas de problème. Ça, c'est très dangereux pour nous. C'est là où on vit, qu'on bénéficie des grâces. Si on veut faire des actes de bienfaisance, elle ne fait pas l'aide dans son plan, payer son dernier du plus grand dans ça. Ça ne fait rien. C'est vrai, mon roi, parce que ceux qui sont à voir, ils ont besoin de l'aide de leur fils. Mais pas du tout là, c'est pas mon roi. Ce sont les choses, on ne dit pas comme ça, le moi je vous le dis. Et ne dit pas derrière le sentiment. Quand on veut exercer sa foi, il faut être conforme à sa foi. Il faut être conforme à sa foi. S'il y a un jour, il y a un mois que je vais le chasser. Et puis c'est bien. Veuillez vous incliner pour recevoir la prière sur le cœur. Que ta gloire, Seigneur, protège ton peuple en prière. Qu'elle le purifie et lui apprenne à mettre à profit la consolation reçue dès maintenant pour avancer vers le bien à venir. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. C'est demain à 18h30 pour avoir la confession. C'est parce que cette profession, on va tout profession qu'on ne fait pas. Allez, la paix du Christ. Amen.